Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kudo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, je suis aujourd'hui en compagnie de Gazox, salut à toi. Ah, salut tout le monde, comme si c'était pas de trop des vidéos avec Kudo. Hein. Moi j'avoue, tire-toi de ma vidéo. Et du coup on se retrouve sur, pas sur du Minecraft, sur le jeu Blade and Soul. Voilà, qui est-il ? Blade and Soul, ouais. C'est nouveau en plus. Ouais, c'est assez récent. Et donc on va peut-être faire une petite aventure ensemble. Là vous pouvez voir qu'on est sur l'écran de démarrage, là où on démarre évidemment, et que j'ai deux personnages et que nous allons Kudo, qui est un guerrier. Voilà, pour changer. Et toi? Et donc moi je peux insulter l'homme qui a pris mon pseudo sur le jeu, et du coup j'ai dû trouver un pseudo japonais pour pouvoir le mettre. Et du coup je vais vous montrer aussi l'apparence de mon second compte. Et c'est un animal. Et je tiens à préciser aussi que le second compte j'ai juste utilisé pour faire des tests pour voir si le record il allait bien, donc voilà. Je me suis pas spoilé sur l'histoire. Toi aussi je crois. Bah, moi j'ai même pas démarré le jeu. Ah, d'accord, très bien. Bon bah alors je propose de démarrer ça ensemble, hein. Ouais, c'est parti. Du coup je prends mon assassin. Allez, j'ai joué. Du coup je vais me muter pour la cinématique. Ouais, moi aussi, allez. Bah d'abord il y a le chargement qui est un tout petit peu long. Forme du clan de Hong Moon. Les terres célestes de la veille. Ah mais t'as déjà fini la cinématique non, ou non. Pas? Ok, très bien, bon je me remonte alors. Vraie larve, le soleil est déjà levé. Allez, debout. Quand même. Attention. Attention. Alors. Ouais, donc moi. Votre ami s'est connecté au serveur. Scarabée, encore au lit? Point. Ça ne te ressemble pas? Vite, habille-toi. Maître Hong veut tous nous voir. Bla bla. On va zapper un peu les dialogues. J'ai vite fait. Mais tu sais que... T'as fini la cinématique là? Oui, oui. Tu sais que t'as un son. Okay. Ton micro il est horrible le son. Hein. Je tiens à préciser. Ah bon? Il est vraiment affreux. Là, encore? Ouais, encore. Tu peux baisser ou un truc comme ça. Voilà, là ça va un peu mieux déjà. Bref, je disais que pour un RPG, il y a des très très beaux graphismes. Effectivement, bon ok. Mes touches ont été modifiées, je ne sais pas par quel miracle. Je pensais que ça allait laisser moi pour tous les comptes, mais bon, faut croire que non. Du coup, on va faire ça assez rapidement. Hein. Ouais, donc comme je disais, il y a de très belles OST au début. Des petits bruits d'ambiance sympas.
Conflit de paramétrage de raccourci. Donc moi j'ai ramassé l'uniforme, hein, je sais pas pour toi et tout. Paramétrage de raccourci. C'est nanana, paramètre haut, clan H, option s'en fout. Ouvre la porte. Alors, donc... Ouais. Donc c'était cool, hein, on était noyés et tout, c'était génial. J'ai mis à nuit des... On était dans la mer, paumé et tout. Regardez, je monte sur son lit à lui. Hein. On va le réveiller. C'est senti ça. Bizarre. Inventaire. Donc bon, moi, là, je pense que le début, on se verra pas. Du coup, on va un peu finir plus rapidement les quêtes, là. Le premier épisode sera assez... Le tutoriel. Voilà, sera justement le tutoriel. Livre des compétences. Conflit. Allez, hop là. Paramétrage de raccourci. Voilà. Alors, donc, on est un peu à poil, hein. Donc, on va découvrir le jeu ensemble. Effectivement. Alors j'ai mes compétences, ouais, c'est cool, sprint et tout ça. Ouais. Alors, E pour équiper l'uniforme. Donc, il faut faire quoi? Wow. M. On est trop beau. Est-ce qu'on peut... On peut pas se voir. Est-ce qu'il y a une touche? Là, on peut toujours faire comme ça. P, O, N. Comment on se regarde? Comment on se voit? Je viens un peu des trucs différents. Bon, c'est pratique de sprinter, là, je sais pas. C'est plus pratique, ça. Je teste un peu toutes ces... Ah bon, il y a une barre de fatigue apparemment. 12 000. Ouais. Allez, suivons là. Oh, cinématique. Chut. Ouais, le premier épisode, il y aura pas mal de cinématiques. On peut voir sur la carte tous les différents objectifs. Là. Terminé. J'entends l'appel de Youngmook. Il faut y aller. Mais chute, putain. Toi là, va-t'en avec ton micro, j'ai plus rien. Moi si je commente, sinon ça va être des noms pour les gens. C'est moi qui commente. Toi, il est horrible ton micro. Suivons ma fille. Mais non, mais je suis en cinématique. Ton micro, mute ton micro au pire. Oui, bah je suis en retard, c'est à cause de Gazox. Le maître organise une réunion devant ses... Oh! Non, c'est ta faute. Oh, je peux sprinter. Ah, mais ton micro, putain, il est horrible, tu comprends ça? Alors, soit tu te baisses, ouais, soit tu horrible, te tires. Y a rien! Ouais! Mais t'es sérieux là? Non, mais franchement, c'est chiant. Mais mec, y'a. Mais... J'ai rien modifié depuis tout à l'heure. Hein. On peut voir sur la carte. Un peu tous les différents. Tenez la touche M pour la carte. Voilà. Hein. Les objectifs, c'est des petites flèches en jaune. Regardez-moi ces paysages. Ce ciel bleu. Ah là là. Que... Oh, mais c'est dangereux ici. Suivons cette fille. Regardez, c'est saut, c'est juste magnifique. Ah d'accord, très bien. C'est un peu vieux dans la cinématique de la façon dont elle est arrivée. Le ciel s'assombrit. Frère, tu es encore ici. Tout le monde t'attend. Oui, j'ai un peu tardé, c'est vrai. Eh bien, notre scarabée s'est levé aux aurores. Avec mon aide, je précise. Hein? Qu'y a-t-il? Tout là-haut. C'est bizarre. Mais j'ai vu une femme habillée en blanc dans le ciel. Toi, tu n'es pas réveillée. Non, elle était là. J'en suis sûre. Non, pas du tout. Elle est pas du tout là. Hein. Personne n'a vu cette femme habillée en blanc. Alors, donc, parlons-lui. L'oiseau qui salue l'aurore est le premier à boire son sang. Ok, c'est-à-dire quoi? Ceux qui s'entraînent dur sont récompensés. Ouais, on a appris la compétence vol plané. Ouais. Regardez. Oh, on vole. Oh, c'est beau. La cascade. Oh, mais regardez-moi cet environnement. Je sais pas, c'est... Pour un MMORPG, il est franchement magnifique. Ces petites colombes. Oui. Maxime ?
Oui, ton micro est horrible, de pire en pire. Merci. Le maître veut te voir. Il faudra que tu fasses quelque chose pour le régler, hein. Le maître veut nous voir. Bah, allons voir le maître. Et là encore ? Oui, c'est de pire en pire. Ah là là. Tout le monde est là ? Bien. Tout le monde est là ? Oui, bien. Tout le monde est là. Tout le monde okay, est là. D'accord. Excusez-moi. Je ne prends pas les arts de Hongbu. Il est trop mignon, le vieux. Il est vieux, regardez. Ah, approche, petit scarabée. Petit scarabée. Maître Hong. Allons en haut. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu es là depuis un moment, n'est-ce pas? Non, je viens d'arriver. Temps de passer à l'étape supérieure. Prends le livre sur l'étagère. Il te servira pour affiner tes compétences. Il me servira pour affiner mes compétences. C'est gentil, ça. Étagère. Oh, ça doit être ça. Oh, est-ce qu'on va pouvoir avoir bientôt nos premières compétences? C'est quoi ça? C'est un petit chien? Il y a un petit chien. Un petit chien. Regardez un peu se voir de face. Oh, on est plutôt classe, hein. Comment j'ai fait? Bref, Monsieur Yung-Yung, là. Yung-Yung, Hong Kong. Appuyez sur N pour ouvrir la liste des compétences. Inflige 4, 6 points de dégâts. Hey, Monsieur Hong. Je te confie ce livre. Yung Monk est un excellent. Hey! Toi, t'as tes compétences ou toujours pas? Ouais, j'ai fini. Ah, toi t'es genre rapide, toi, c'est. C'est genre express. Alors. C'est ici qu'on devait aller. Yung-Mook. Pardon, à Yung-Mook. Alors, je crois que c'est. Pourquoi le maître voulait-il te voir? Ça doit être le camp d'entraînement. Il m'a donné ce livre. Vraiment? Le livre de compétences est donné aux disciples prêts à passer à l'étape supérieure. Le livre que le maître... Oui, je suis un scarabée, blablabla. Oh, oui. Je vais avoir ma première arme. C'est génial, ce jeu. Est-ce qu'elle est sympa? Oh, elle est trop classe, épée. Alors, j'ai équipé mon épée. Je dois aller ici normalement. Ah, Yung-Mook est revenu. Commençons par les rudiments des arts martiaux. Ton fait un clic gauche pour... Alors, donc vous avez appris parade. Ok. Ça pue un peu cette histoire. Ça y est, plutôt manie. Ça va, il est sympa de manie. C'est plutôt fluide dans l'ensemble. Meurs! Je sais pas. Oh! C'est beau. Et de un machin en moins. Un. Quand tu as assez de concentration. Oh! Des gens bleus. Meurs! Engager le combat en appuyant sur 1 pour utiliser. En fait, c'est parade, ok. Donc, 1 c'est parade et 2 c'est incision, genre. Comment marchent ces attaques? Ouais, c'est. Ok, je vois un peu le délire du jeu. C'est bon. Un peu tous défoncés, hein, on est trop fort. Il me semble que tu as reçu une lettre, je devrais la lire. Cliquez ici pour continuer. Alors, petit scarabée qui s'entraîne dans la lumière ne saura combattre les ténèbres pour faire partie des disciples de Hong Moon. Allez à la caverne des épreuves et affrontez votre peur. Tadadam! Allons à la caverne des ténèbres. Sympa comment on peut voler, c'est un peu bizarre, c'est vachement sympa. Ah, oh, il est beau, hein. Cette petite musique de fond, cette OST est aussi sympa. La caverne des ténèbres, c'est par où la caverne? La caverne, j'arrive jamais à prononcer ce mot. C'est par là. Oula, oula. Oh,
Oh, c'est magique. Ah non, ça c'était pas prévu par contre. De prendre autant de dégâts. C'est par là. C'est pas par là. Et où la queue? Je crois que je me suis trompé d'étage. Je me suis trompé d'étage, c'est un peu badaud hein. Tu peux passer s'il te plaît? Merci. Je me suis fait tuer par un assassin masqué. Nul. Le mec s'est fait tuer déjà. Ouais, franchement la tenue est sympa, moi j'aime bien. J'aime bien la tenue, j'aime bien les décors ils sont grandioses, les graphismes ils sont super bien, c'est magnifique. Par contre en fait je crois que je suis un peu perdu, c'est pas ici sur la caverne? Caverne des épreuves. En fait je crois que j'ai oublié de faire une étape, non? Est-ce que je me suis embrouillé hein, on est d'accord. Je me suis embrouillé et j'ai voulu faire le jeu un peu trop rapidement. Sortons de cette caverne. Allons chercher la quête d'abord. Oh là là, franchement. Hein. Kudo, t'es pas très doué quoi. Non mais c'est vrai. Je t'attends pas pour la cinématique. Non, vas-y, vas-y. Au pire, ouais, tu peux toujours attendre, ouais. Ouais, en fait, attends. Je sais pas si t'es en avance sur mon temps. Hein. En fait, je suis un peu trop vite, je crois bien, ouais. Allons, Ah ouais, d'accord, le mec, il faut que je revienne, putain. Et quel jeu? Quel est ce jeu? Oh, mais... On me dirait que c'est un peu surréaliste, hein, quand même, les décors. Oh! Oh, j'ai des ailes. Je vais voir les ailes. Oh, j'ai raté les ailes. Par contre, je suis level 2, c'est un bon début. À pas se cacher que c'est déjà pas mal. Bah ouais, 2 c'est bien. Moi je suis plutôt content de moi. Allons s'entraîner à la caverne. La caverne qui se trouve là-bas. Hey, Young Gook, machin truc. C'est très chinois, je trouve. Chinois samouraï, univers un peu. À part peut-être les décors qui sont totalement fantastiques. Attends, mais le mec il se TP, le mec il cheat. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Faut que j'aille à la caverne. Peut-être que je dois y parler. Non, faut que j'aille bel et bien à la caverne. Ouais. Il y a assez sympa, on a le bruit comme si on était dans un. Dans une caverne, justement. Mannequin d'entraînement. Oh, j'ai défoncé. C'est un peu fort peut-être le son du jeu, vous allez me dire. C'est paramètres. Audio, on va baisser total. Voilà, appliqué. Ouais, c'est quand même un peu mieux. On pourra mieux s'écouter, s'entendre. Bim, bam, boum. Je te défonce, toi aussi. Comment je suis trop fort? Oh, ça c'est des monstres level 80. Faut pas croire que c'est des monstres level 1. Hey! Assassin masqué. Montre-moi ce que tu as pris. Il m'a un peu dézingué. Je sais pas si c'était fait exprès, mais je suis mort. Hein, comme toi, je crois que t'es mort aussi tout à l'heure. 4 pour vivre. Je cheat. Oh, c'est tellement classe quand on revit. On dirait qu'il y a notre âme qui. Hey, vous pouvez accéder à la boutique en. Oh, oh. N'importe quoi, hein, comment ils font la promo de leurs produits, ça me. Oh. Moi, je vais faire une ellipse quelques secondes. Ok. Si tu veux. C'est vrai que le premier épisode, c'est pas très. Lui et moi, enfin, Gazox et moi, on n'est pas tout totalement synchronisés. Zung. Oh oui, Zung, il a buté de machin, un truc assassin. Est-ce que je dois pas lui parler, un truc comme ça? Utilise la potion de soin. Parce que les quêtes elles sont sur le côté. Hein. Parle à Zuzung. Pardon à Zuzung. Maître Hong doit. Oh, vous voyez, c'est trop beau les Z. C'est magnifique. Suivons Zuzung. Tchou. Mec, il s'est tapé un méga speed, c'est incroyable. Ah oui, j'aime bien. Il y a la nuit qui tombe genre d'un coup. Hey. C'est normal ça?
Qu'est-ce que c'est que ça, de Zung? Avertis les autres, nous allons les repousser. Ok, j'y vais. Je vais avertir les autres parce que ça a l'air d'être un peu la merde par ici. Yeah. Non, mais pisse quoi, cinématique pendant que je vois, c'est. Oh non! Oh, les chiens, ils sont morts, ils étaient trop mignons. Hey! C'était qui toi? Non! Il est mort! Oh my god! Oh mon dieu! C'est qui ceux-là? Qui sont ces gens? Tiens, ça c'est la fille. Oh. What? Ah oui, c'est. C'est la merde. Oh, c'est papy en haut? Non, c'est pas papy. Oh non! Non, c'est pas. Ça se fait pas! Je vais te tuer! Bref, je vais vous laisser avec la cinématique. Hein. Vous allez me dire où se trouve l'épée. Jin Soryun, tu es vivante? Oui, je suis désolée de vous dissoudre. Yura, Gubong. Repassons dans une période de fight avec la pluie. Donc c'est un peu la merde, hein, j'ai l'impression, à l'intérieur du camp. C'est un peu la merde, franchement. C'est quoi sa table? Oh, oh, c'est magnifique table. Oh, le table est magnifique ce coup. Ouais, donc il y a papy qui est en train de se fight contre les assaillants. Et puis de notre côté, c'est pas. Oh, c'est bien ce coup et puis tous nos potes ils sont morts et on est petits scarabées vivants. Terrasser les ombres rouges dans les zones rouges. Ok, donc ça c'est vraiment un fast tutoriel où on nous explique, mais c'est quand même. Ah, on continue la cinématique. Oh yeah. Décevez, maître. Je m'attendais à mieux. Visiblement, le poison que vous avez bu a été efficace. Du poison? À mon insu? Mais pourquoi? C'est une bonne question. Ne serait-ce pas à vous d'y répondre? Mais je crois que même sans cette ruse, vous auriez été surclassé. Alors c'est ça, les légendaires arts de Hong Moon? Écarte-toi. Voilà l'épée.
enfin vous vous dévoiler. Je le savais. Votre pouvoir n'a pas décliné, Ong. C'est bien le mien qui est illimité. Votre clan mourra avec vous. Vous pouvez le sauver, mais tout dépend de vous. Maintenant, laissez partir mon élève. Je peux l'achever si vous voulez. Pas la peine. On ne survit jamais à la rose noire. Réveille-toi, je t'en prie, tu es notre dernier espoir. Arrête-la. Arrête, Jin Soo-yoon. Hey, ça va? Vous m'entendez? Hey, allez, réveillez-vous. Fin de ce
magnifique, de cette magnifique opening, franchement extraordinaire. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Hormis le petit truc qui m'a dérangé dans la cinématique, je sais pas si vous avez remarqué, c'est les mains, elles étaient franchement assez étranges. Bref, allez, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce premier épisode. Et sur ce, à plus les amis. Ciao, bye bye.